Yo les potes, vous allez voir dans la game des nouvelles techniques avec le revolver Silex, des techniques de ouf, le fait de pas tomber, le fait de reprendre le A-grain, le fait de passer derrière le joueur, le fait de trickshot. Plein de techniques, je vous ai montré ça les gars, que ce soit contre les joueurs ou même du coup dans le vide pour vous montrer un peu les techniques. Je pense que vous allez bien kiffer, donc merci à vous tous de me suivre et n'hésitez pas si vous voulez participer aux consoles, c'est très bien simple, c'est très sur Instagram, donc dans la boutique d'objets en bas à droite vous avez le bouton soutenir un créateur, vous mettez Skyheart et vous m'envoyez ça sur Instagram. Merci à vous et bonne vidéo les potes, ciao. Allez yo les mecs, j'espère que vous allez bien, parti pour une petite game. On va tout simplement atterrir à Salty Spring et c'est y part. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est parti, donc on va tout simplement, je vais vous montrer les techniques de ouf avec le nouveau revolver Silex. Je pense que ça va être un objet de mon kit. Donc ce qui est pas évident parce que je change rarement mes objets, enfin mes kits d'objets, mais j'ai imaginé des techniques vraiment stylées et j'ai testé et ça fonctionne. Donc reste plus qu'à, c'est bon, ça va aller. Super, y'a pas d'armes. Oh, on a pas de chat quand même, hein. Y'a pas le coffre non plus. Eh bien, la galère. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Là. Ça fait toi qui a pas eu de chance, mon ami. Alors, ça me va. Let's go les gars. Là on a eu la meilleure arme qu'on pouvait trouver. Ah bah ça ouais. Ok. C'était la merde. Trouvons le revolver Silex et les gars, je vais vous montrer les techniques de dingue avec. Vous allez voir, c'est assez ouf ce qu'on va pouvoir faire avec. Je pense que ça va être vraiment une arme au final hyper jouée. Ok, je pouvais pas forcément le faire redescendre en vrai. Hop là, voyons voir, est-ce qu'il y a un autre mec? On a les répupus pour tester. Hop là, vous voyez que du coup la move speed sur les joueurs n'a pas changé. Ah dommage, close. Une nouvelle technique là qu'on a essayé de faire, mais bon, j'ai raté là, c'est pas, c'est très dur à faire. Ok, voyons voir. Tac, ça c'est vers où? C'est vers là-bas. Bon, pas l'air de vouloir vraiment fight, on va pas se mentir. Allez, c'est parti, on arrive à retail. Bon, l'arme qui est quand même vachement rare, hein, mine de rien. Parce que, genre, on la trouve littéralement pas souvent. Hein. Pourtant, des mecs, on en tue. Et après, il y a souvent des bugs aussi, des fois. Dans les mises à jour, les mecs. Des fois ils mettent beaucoup moins d'armes, enfin ils ratent des trucs genre. Ils oublient de les mettre ou ils oublient de les mettre dans les coffres ou ils oublient de les mettre par terre. C'est peut-être pour ça aussi hein. Alors il y avait un mec mais il s'est barré. Attends, je lui ai tiré dessus. You're sexy and you know it. Et quand c'est comme ça, il faut tirer dans le vide, faire genre t'es en bull fight, et les mecs te backstab. Y'a vraiment personne qui me tire dessus là. Voilà, tu vois quand tu veux.
Ok. Capitaine Atlantique, un Français peut-être. On fait la technique hein, pour trouver des gens. Hop là. Il avait pas l'arme non plus, mais c'est incroyable. Hein. Je crois que les gens, ne l'apprennent pas, genre. Ok, bah voilà. Ouais, du coup, il y a des joueurs, suffit de les attirer en fait. Suffit de leur donner envie. C'est la meilleure technique, les gars, pour attirer des joueurs, ça. Tu fais ça, il y a toujours des joueurs qui répondent. C'est l'appel à un ami, genre. Il y a un autre mec là maintenant. Il est caché encore. Où es-tu caché? Oh oh oh, jolie poupée. Où es-tu caché? Oh, oh. Oh non. Il a eu peur. C'est à moi. Ah, sans savoir, il est chez moi, quoi. Ok. Parfait. Hop. Ah, y'en a un. Y'en a deux, non? Ah, y'en a deux, là. Merde! J'avais pas capté. Il a été surpris, je crois. Hop là. Eh oui, on peut replace. Il est où? Oula. Mmh, je sais pas où il est. Il casse ses couilles. Oula, il a bugué du cerveau lui. C'est trop la technique à tirer. Vous avez vu ou pas les gars? Tirer en. Enfin, construire et tout, ça attire trop les joueurs. Genre, c'est dingue. Oh yes, bébé, on l'a. We got this, baby, we got this! Ah bah, je suis pas le seul, apparemment. Les gars, matez-moi ce move. Check this move, boys. Faut que je recharge par contre. Non, c'est potentiellement dangereux. Bon, 3 secondes, c'est un peu long par contre. Darcelest! Let's go, baby! Ouh là là! Ok. Sleeping round. On est chaud, on est chaud, on est chaud, les gars. Oulala. Y'a un mec là-haut. J'ai envie de trichot, mais j'ai peur de que ça passe pas et qu'on meure. Let's go, boys. Oh! Dude! Fully insane, dude! Woo! Et je vais prendre le glider au cas où parce que je vais pouvoir tenter des trichots. Si je prends pas glider, je peux du coup me servir de ça pour reprendre. Eh bien.
la hauteur si j'ai un glider en plus, sinon je garde ça pour les dégâts de chute. Et rotate, potentially. Let's go, baby! On est parti! Oh là, ce qu'on vient de lui mettre encore, c'est lourd. On le fait, le gars, on le fait, on le fait. Putain, si je l'avais mis, gros sang, il était tellement swaggy. Là, c'est pour le délire. Hein. Mais par contre, en vrai, on peut cancel du coup les dégâts de chute avec le magnum. Je vous montre. Hop là. Attention, marrant, il va me shooter. Ok, je vous montre, les gars. Tac, là, là, je prends des dégâts de chute. Et bah là, du coup, j'en prends pas. Donc, il faudra essayer de le cancel latéralement pour pas être trop dans les airs et prendre, prendre la bite, hein, tout simplement. Prendre des balles. Toi-même, tu connais les bails. Donc du coup je pense que l'arme va pouvoir remplacer les gliders. Mais le truc c'est que si tu veux t'en servir pour pouvoir ne pas tomber, faut faire gaffe, c'est que c'est 3 secondes de rechargement. Et 3 secondes c'est dur des fois de... Enfin c'est long quoi, 3 secondes. Si c'était 2 secondes de chargement ça serait un peu mieux. Et pour les trickshots bah je pense que c'est bah, c'est quand même bien stylé quoi. Ok j'arrive. Je sais pas où il est. Il est là-bas le collègue. Oh, oh merde. Ah bon j'ai un peu troll. He's okay baby, he's okay. What? Backstab. Ouais. Yes, yes. Des petits heals peut-être. Non. Les gars, là, ça part sur un trickshot pour le dernier encore. On refait un bon trickshot. Un bon trickshot, sa mère en fait. On va pas se contenter de lui mettre une balle comme ça. On va lui mettre un bon trickshot bien sexy. C'est beaucoup trop stylé, hein. C'est beaucoup trop stylé, je pense. Il y a vraiment des applications de ouf avec. Après, c'est pas mal, c'est que 3 secondes de recharge, c'est un peu long pour pouvoir, c'est-à-dire pour 1, reprendre le high ground. Je vous montre aussi un truc qu'on peut faire avec, les gars. C'est ça, regarde. Hop là, un peu comme lancer un pas de bleu, si tu veux. Et je pense, du coup, si tu sautes, à mon avis. Bam, tu vois, bam, on arrive directement à max high. C'est. Je pense que c'est vraiment pas mal, quoi. Ah, tu vois, genre, il doit y avoir moyen de... Oh merde. Il doit y avoir moyen de pouvoir monter encore plus vite, plus haut, plus loin, plus fort. Ah merde, je l'ai cassé. Oula, attention, bah, je prends la bite là. Hey, il me cherche, gros. Il regarde en l'air et tout, fait what? Mais il est où? Oula. J'arrive, bébé. Ah, je suis mort. Oh damn son. Il est éclaté gros, c'est trop drôle. N'oubliez pas les gars, code créateur Scard si vous voulez me soutenir dans la boutique et participer aux consoles une fois tous les 15 jours. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen, tu vois, genre en gros le mec il a la hauteur sur toi, bam, tu fais ça. Hop, peut-être qu'il y a moyen du coup de prendre un pic, tu vois, comme ça. Ou inversement, tu vois, il y a moyen du coup, mon avis, de prendre la hauteur, genre t'es comme ça, le mec il est là. Hop, tu sais, genre tu montes sur ce rebord par exemple, tu sautes. Hop, et du coup, bah là t'as repris le high ground. Donc je pense qu'il y a vraiment, vraiment plein d'applications possibles. Il est trop mignon. Et pareil, je pense qu'il y a d'autres trucs encore, j'ai pas encore pensé, mais à mon avis, il doit y avoir des possibilités de tâcher sur le côté ou quoi. Qui doit être pas mal, tu vois. Donc à voir du coup, mais à mon avis, il y a de quoi faire, les gars. Donc n'oubliez pas, code créateur Scard, les gars, pour participer aux consoles. Mettons-lui un petit trick shot avant qu'il meure, parce que là, il va peut-être mourir. Hein. Moi aussi, d'ailleurs.
Marwan, bien joué à lui en tout cas, bravo. Merci les gars d'avoir suivi les gars, j'espère que ça vous a bien, vous avez bien kiffé. Les techniques vraiment les plus stylées je pense. Clairement l'arme est complètement fumée à cause de ces techniques là. Donc je pense vraiment que ça va être une arme qui va être super jouée. En tout cas pour ma part, il y a des grandes chances que je veux la main. Le seul bémol c'est 3 secondes de cooldown, donc c'est difficile de remplacer le Glider. Parce que si jamais tu te sers de ça et tu tombes, et ben en gros tu peux prendre le ground avec ça, mais t'as besoin de recharger pendant 3 secondes. Donc faut pas que le mec retake le ground, s'il fait que de retake, bah t'auras pas le temps de recharger. Donc du coup après si le mec te fait tomber tu vas mourir. Mais je pense qu'il y a vraiment des moyens, donc au-delà des trickshots, ça permet de vraiment surprendre des bons joueurs, donc je pense vraiment qu'il y a vraiment moyen que ce soit fort. Donc voilà, bref, portez-vous bien, c'est ce qu'il y a, ciao, bisous. Et voilà, la nouvelle arme, franchement, moi j'adore quoi, je suis fan.